Donc bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Agilité et télétravail, les outils indispensables. Donc je me présente, je m'appelle Sébastien Mathieu, je suis consultant technologique chez Axon Group, donc certains d'entre vous doivent déjà me connaître. Et je suis avec Karen. Karen, peux-tu te présenter? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Karen Rota, je suis aussi consultante technologique chez Axon Group. Donc voilà, on travaille ensemble avec Sébastien et aujourd'hui, on est ravis de vous avoir tous pour ce webinaire. Ouais. Tout à fait. Et on est aussi en présence de Gwenaëlle qui va être la personne qui va regarder si vous avez des questions et qui nous aide à gérer ce webinaire. Et j'en profite pour la remercier dans l'aide à la préparation de ce webinaire. Le sujet d'aujourd'hui, donc, c'est l'agilité et le télétravail, les outils indispensables. L'idée était de se dire, on a connu une période assez compliquée avec le Covid où les gens étaient très souvent à distance ou alors venaient de temps en temps au bureau, étaient à distance. Et l'idée, c'était de se dire comment faire, quels sont les outils qui nous permettraient de retrouver la fluidité qu'on avait quand on était au bureau. Et chez Axon Group, nous, effectivement, la période de Covid, on n'a pas eu trop de mal parce qu'on avait déjà des outils qui nous permettaient de travailler à distance de manière assez simple et efficace. Et donc, on voulait vous parler de ces outils qu'on avait utilisés pendant cette période de confinement qui nous ont permis de continuer à travailler avec la même fluidité que si on était au bureau. Ou en tout cas en essayant d'atteindre cette même fluidité. Donc pour ça, les outils, est-ce que Karen, tu peux nous en parler un petit peu donc ces outils? Oui, tout à fait. Bon là, du coup, vraiment, on veut vous présenter des outils qui vont vous permettre vraiment de travailler avec agilité, à distance, et que ce soit le plus fluide possible. La première chose, effectivement, dans ce système-là, en fait, quand vous travaillez depuis la maison, ou effectivement, quand on a connu des périodes comme celle qu'on vient de passer, la première chose, c'est d'être joignable. C'est d'être joignable et de pouvoir passer des appels. Donc, l'intérêt, c'était de vous présenter un outil, un système de téléphonie complet qui vous permette cette fonctionnalité et qui vous permette surtout de pouvoir passer des appels sur multi-support, donc à la fois sur votre PC mais aussi sur votre smartphone, parce que finalement il faut être joignable pour que vous puissiez avoir vos clients au téléphone, pour que vous puissiez avoir vos collaborateurs. Ouais. Ça a été un sujet qui a été très demandé par nos clients. C'était pendant la période, c'était comment on ferait pour gérer la téléphonie. Donc ça dépendait des personnes et des systèmes qu'ils avaient en place. Mais avec un système de téléphonie traditionnel, donc la téléphonie fixe, ça a été très compliqué. Il faut envoyer quelqu'un sur site, prendre les appels ou faire des renvois vers des téléphones mobiles. Enfin, c'était un des points de douleur qui a été le plus remonté par nos clients. Donc c'est pour ça qu'on voulait parler d'une solution qui nous permettrait d'adresser ce problème. Tout à fait. Du coup, dans la même lignée, on avait aussi besoin de vous montrer un outil donc, qui est Dropbox et qui va vous permettre, lui, d'être toujours accessible, d'avoir des fichiers toujours accessibles de manière à pouvoir vous organiser, rester bien concentré sur votre travail et travailler avec l'ensemble de vos collaborateurs. Parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut être joignable par téléphone, mais il faut aussi que vous puissiez travailler ensemble. Et travailler ensemble, ça veut dire ouvrir des fichiers ensemble, ça veut dire pouvoir se les partager, pouvoir se les transférer d'une manière qui est extrêmement fluide. Et effectivement, quand vous devez monter un lien VPN et avoir accès à votre serveur à distance, eh bien, il y a tous les inconvénients qu'on connaît de la connexion Internet, votre connexion directement via votre mot de passe. Des fois, ça marche, ça ne marche pas. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, Dropbox, c'était vraiment l'outil essentiel pour travailler tous ensemble et que les choses soient complètement fluides. On va ensuite vous montrer un outil que vous avez déjà vu dans le précédent webinaire qui a été fait par Sébastien, qui a été largement détaillé, mais donc on va passer rapidement, mais vous en expliquer un petit peu les fonctionnalités aussi essentielles pour rester connecté, mais c'est Teams. Teams, c'est vraiment l'outil collaboratif par excellence qui va vous permettre d'être en visioconférence, d'avoir des canaux d'équipe pour collaborer les uns avec les autres et de pouvoir vous parler aussi en direct les uns avec les autres sans forcément passer par un contact téléphonique. Donc voilà, Sébastien l'avait largement expliqué dans un autre webinaire, mais on refera une petite... On réabordera le sujet avec les fonctionnalités principales. Je ne m'étendrai pas sur les détails, mais je vous renverrai ensuite, si vous le souhaitez, on pourra vous envoyer le lien vers le webinaire où on a passé une heure à expliquer tout le fonctionnement Teams. Donc on pourra bien sûr vous renvoyer le lien vers ce webinaire avec toutes les fonctionnalités de Teams là-dessus. Donc, je vous propose de passer tout de suite à une présentation donc, du système de téléphonie fixe 3CX. Karen, alors je vais arrêter le partage de mon écran pour que tu puisses nous partager ton écran. Je vais le récupérer. Allez, j'arrête ça.
Alors, donc je vais vous partager mon écran et effectivement, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne 3CX et quelle est l'interface et comment on peut jouer un petit peu des fonctionnalités pour être disponible. Donc la première chose que vous voyez sur mon écran, c'est l'interface web. Donc je vais me connecter directement avec mon navigateur web. Donc en l'occurrence, j'ai choisi Chrome puisque la fluidité de l'application avec Chrome est bien meilleure qu'avec d'autres navigateurs. Donc ici, moi j'ai déjà enregistré mes logins et mots de passe, mais vous aurez évidemment les vôtres. Et j'arrive directement sur mon interface de façon très rapide. Donc ici, je vais vous montrer un petit peu rapidement l'interface, comment visuellement elle s'articule et puis aussi quelles sont les fonctionnalités principales. Donc la première chose, évidemment, si je veux que les gens puissent me joindre et si je veux moi pouvoir passer des appels, il faut que mon statut soit disponible. Donc ici, à côté de ma photo, moi je n'ai pas mis de photo, mais bon, voilà, vous aurez peut-être votre photo, je vais avoir la possibilité de choisir mon statut. Donc la première chose que je vais faire, c'est de bien vérifier si je suis disponible. Comme vous pouvez le voir ici sur mes autres collaborateurs, le statut est aussi disponible puisqu'une petite pastille verte indique mon statut et indique qu'on peut m'appeler et qu'on peut me joindre. Je vais retrouver ici, juste à côté, les différents périphériques qui vont me permettre de pouvoir passer des appels. Donc ils vont être multiples puisque c'est ce qu'on vous disait, c'est vraiment la force de cet outil, c'est d'avoir à la fois la possibilité de passer des appels depuis mon smartphone, mais aussi depuis l'extension de mon navigateur et aussi depuis un téléphone fixe. Mais là, comme le but est de vous faire voir comment travailler à distance, ce ne sera pas l'intérêt. Donc, on va vraiment se concentrer sur l'extension navigateur et sur le smartphone. Donc là, le fait de t'être connecté, en fait, Oui. ça permet, si tu t'es mis disponible, ton numéro, ta ligne directe, on va dire ton C'est ça, mon numéro de fixe, 04-78, oui. est directement disponible. Et donc là, si je t'appelle, ça devrait te faire sonner du coup. Tout à fait, je te laisse essayer. Allez. OK. Donc voilà, là vous avez mon interface, je peux répondre à Sébastien et puis surtout ça va sonner en fait en même temps ici sur mon smartphone. Vous voyez, je vois Sébastien également. Et si je lui D'accord. réponds, on est en ligne. Alors, je viens de raccrocher. Ah bon bah voilà, et ben il a raccroché. Mais voilà, on l'a directement, en fait je l'ai aussi sur mon interface web, mais je l'ai en simultané sur mon smartphone. Ce qui va me permettre d'être vraiment disponible pour le coup, même si je ne suis pas forcément devant mon PC, ça sonne aussi sur mon smartphone. Je vais vous faire voir également ici la possibilité en fait, de numéroter en fait, directement, soit par le petit onglet de recherche ici, donc où je vais taper le nom d'un de mes collaborateurs, peu importe. Donc voilà, je vais pouvoir aller chercher Gwenaëlle par exemple. Je vais avoir la possibilité aussi de numéroter depuis le clavier directement ici, ou d'aller chercher, donc vous avez aussi tous vos contacts. Donc sur l'onglet contacts, je vais retrouver tous les contacts de mon entreprise. Et vous voyez qu'à côté de chaque contact, j'ai une petite fonctionnalité de téléphone qui va me permettre de faire un appel direct à n'importe lequel de mes collaborateurs. Je vais retrouver mon annuaire d'entreprise avec tous mes contacts. Et puis, je vais avoir aussi mon annuaire personnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet annuaire personnel, je peux aussi en fait synchroniser mes contacts Office 365, si j'en ai, ce qui va me permettre de retrouver tout finalement mon répertoire ici sur cette interface personnelle. Je reviens à mes contacts. Et ici, je vais avoir du coup la possibilité aussi sur cette interface. Vous allez voir, là, voilà, c'est ce qu'on appelle l'extension du navigateur. Donc cette extension, elle va me permettre de multiples fonctionnalités. La première fonctionnalité qu'elle va me permettre, c'est de fermer complètement mon navigateur et de pouvoir être joignable quand même. Donc je vais demander à Sébastien de passer un appel et vous allez voir que je vais retrouver la même interface que tout à l'heure. Et pourtant, mon navigateur est complètement fermé. Donc je lui réponds et je suis en ligne avec Sébastien, même si j'ai complètement fermé mon navigateur. Mets-toi Et en je l'ai muet. toujours sur mon smartphone. Est-ce que tu peux juste mettre en muet? Voilà, comme ça on n'a pas C'est tout bon. l'écho. Effectivement, Voilà. c'est parfait. Donc, tout était fermé et pour autant, quand même, il a pu m'appeler. Effectivement, ça, ce point-là, en fait, c'est sorti assez récemment, l'extension du navigateur. Et ça pallie à un problème qui était effectivement quand on avait 3CX, qu'on voulait utiliser en navigation web, on était obligé d'avoir le site internet 3CX ouvert, donc d'avoir une page web ouverte tout le temps sur son PC. Le fait d'avoir l'extension, maintenant, ça permet de corriger ce problème. Et donc, même en fermant son navigateur, si on veut travailler sur une autre appli ou si on n'a pas envie d'avoir une page ouverte tout le temps, l'extension permet de continuer à pouvoir recevoir les appels même en ayant le navigateur fermé. Donc, C'est ça. petite précision, en fait, l'extension fonctionne avec le navigateur Chrome. Chrome, D'accord? on a bien Ouais. précisé, tout à fait. Mais bon, de toute façon, on sait très bien que c'est le meilleur navigateur.
C'est aussi une possibilité avec cette extension, pardon, qui est vraiment un petit plus, moi, je trouve. J'ai la possibilité, en fait, si je vais sur un site internet, donc je vais prendre celui d'Axon Group, bien sûr, trouver le numéro de téléphone d'une entreprise ou de quelqu'un que je souhaite joindre, en fait. Cette extension, elle va rendre ces numéros de téléphone directement cliquables et ça va me permettre qu'ils soient automatiquement saisis, en fait, dans mon application 3CX. Donc, vous voyez, j'ai rien fait d'autre que de cliquer sur le numéro et automatiquement, eh ben, il s'est implémenté dans mon application et ben, j'ai plus qu'à appeler avec le petit téléphone vert et je n'ai rien d'autre à faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me permet aussi de travailler en fluidité et de ne pas perdre de temps à saisir les numéros, à retourner dans mon interface. Voilà, tout est faisable depuis directement la page et le site web de votre interlocuteur. Donc, c'est très, très intéressant. Hop, je vais fermer. Et puis, je vais vous montrer aussi tout ce que ça apporte 3CX et quelle est vraiment sous son statut complet, en fait, comme un système de téléphonie classique. Donc, j'ai la possibilité, en fait, depuis mon interface, comme on l'a fait tout à l'heure, de pouvoir transférer aussi des appels, parce que c'est vraiment aussi ce qu'on recherche dans un système de téléphonie, c'est qu'il ait toutes ces fonctionnalités de mise en conférence téléphonique, de transfert et autres, puisque vous allez aussi avoir des gens qui vont être au standard et qui vont avoir besoin de ça. Donc, je vais laisser Sébastien m'appeler et je vais vous faire voir comment ça fonctionne. Donc là, Sébastien m'appelle. Je vais décrocher et je vais avoir la possibilité de le transférer. Donc, soit en transfert direct, soit en transfert supervisé, pardon, en ayant d'abord la personne au téléphone. Mets-toi en muet, s'il te plaît, quand même. Pardon, que je vais le transférer. Donc, je vais faire un transfert directement vers Gwenaëlle, puisque Gwenaëlle est notre troisième interlocuteur dans ce webinaire. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Là, tu fais un transfert supervisé. Je fais transfert supervisé. Je tape le nom de Gwenaëlle. Il me trouve mon interlocuteur. Ça sonne. Ok. Je confirme, je suis en attente. J'ai une musique d'attente. Elle vient donc de décrocher. Hello Gwenaëlle. Ça va, t'es bien au téléphone, c'est bon? Super. Et là, j'ai plus qu'à cliquer sur joindre et automatiquement, ça va la transférer à Sébastien. Sébastien, à toi. Je confirme, je suis bien en ligne avec Gwen. Salut Gwen. Ça va. Je te laisse tranquille. À plus. Donc de la même manière en fait que je viens de faire un transfert supervisé à Sébastien en ayant au préalable eu Gwenaëlle au téléphone, j'aurais pu soit nous mettre en conférence tous les trois, soit faire un transfert direct sans passer par une communication avec Gwenaëlle et donc Sébastien aurait reçu l'appel directement. Donc ça, c'est vraiment les fonctionnalités d'un téléphone fixe classique, d'un système de téléphonie classique. Vous allez retrouver vraiment un environnement que vous connaissez déjà finalement et qui va vous permettre de travailler en fluidité avec vos collaborateurs. J'ai la possibilité aussi sur cette interface de voir si mes collaborateurs sont en ligne. Donc, par exemple, si Sébastien passe un appel, eh ben, je vais pouvoir aussi voir si je peux lui transférer. Peut-être que je ne peux pas, peut-être qu'il est déjà en ligne. Je lance un appel. Donc vous voyez ici sur mon interface, tout de suite, il a changé de statut et automatiquement, en fait, je vois qu'il est en train de passer un appel. Je vois aussi le numéro. Attention, n'ayez pas peur, ça, je peux le faire parce que j'ai les droits, en fait, pour le faire. Parce que, par exemple, je suis au standard et que j'ai la possibilité de visualiser si mes collaborateurs sont en ligne. Si je n'ai pas les droits, évidemment, ce ne sera pas possible. Personne ne pourra voir vos appels si vous ne l'avez pas autorisé. C'est une évidence. Donc, comme ici, il a changé de statut, je vais vous faire voir aussi comment on peut avoir des statuts différents. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré qu'évidemment, il faut vous rendre disponible si vous avez envie d'être joint. Pardon. Je suis disponible, mais je peux aussi être absent. Je peux aussi être dans un statut ne pas déranger, qui est un petit peu différent puisque je peux être en réunion. Et je peux aussi être en déjeuner ou en vacances. Je vais vous faire voir aussi comment on peut personnaliser certains de ces statuts. Donc, ces statuts, je vais les retrouver. Ici, en fait, sur le côté, dans mon onglet paramètres et dans mon onglet transfert d'appel. Vous voyez, je retrouve exactement les mêmes statuts que ceux que je vous ai montrés sur la droite dans mon interface. Donc, si je suis disponible, en statut disponible, je vais avoir cette interface qui va s'ouvrir à moi et qui va me permettre que mon téléphone sonne pendant une durée que je vais avoir définie. Et à la suite de ces sonneries, si je n'ai pas répondu, je vais avoir la possibilité d'enclencher une action. C'est moi qui vais la définir, cette action, et elle peut être différente en fonction de ce que je souhaite. Donc ici, elle va être personnalisable via le menu déroulant.
Je peux l'envoyer directement sur la messagerie vocale, donner le numéro d'une autre extension ou d'un autre de mes collaborateurs ou envoyer sur mon mobile. Si je suis occupée ou enfin, voilà, que je souhaite une autre action complémentaire, même chose, je vais pouvoir ici personnaliser sur le menu déroulant. Et on peut personnaliser ça effectivement en fonction de soit des appels si je ne réponds pas Tout ou à si fait. je suis déjà en ligne. Sachant qu'on peut différencier si on nous appelle de l'extérieur, donc si c'est quelqu'un de l'extérieur de l'entreprise qui vous appelle ou si c'est quelqu'un qui est interne à votre entreprise. Vous pouvez avoir le même comportement tout le temps ou faire vraiment ce que vous voulez de manière différente en fonction de là d'où provient l'appel. Voilà, c'est ça. Et puis comme moi, en fait, comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure, j'ai la possibilité de faire sonner aussi mon mobile simultanément. Ce qui veut dire que même si je ne suis pas forcément en face de mon PC, bah, c'est pas grave en fait. J'ai mon mobile, j'ai mon smartphone, je me suis déplacée et je reçois quand même mon appel sur mon mobile. Je peux aussi accepter plusieurs appels simultanément. Si je ne le fais pas, ce ne sera pas possible et je n'aurai pas de double appel, par exemple. Donc cette fonctionnalité, il suffit de la cliquer ici et vous aurez un double appel. Donc ça, c'est vraiment le statut disponible où vous allez pouvoir choisir, après sonnerie de votre téléphone, d'enclencher une action. Lorsque je suis absent, les choses sont un petit peu différentes. Là, je ne vais pas faire sonner mon téléphone. Mon téléphone ne va pas sonner. Et c'est vraiment une action directe qui va s'enclencher. Donc typiquement, si je suis absente, ben, moi, j'ai choisi de transférer directement tous mes appels vers Sébastien. Donc c'est lui qui va tout recevoir. Choisissez bien votre collègue, il faut qu'il réponde à votre téléphone, c'est important. Mais voilà, vous pouvez choisir les différentes actions. Donc moi, j'ai fait ce choix-là parce que j'ai besoin que ce soit un collaborateur qui récupère mes appels. Mais vous pourriez choisir vraiment ce que vous souhaitez, votre mobile, un numéro extérieur ou autre. J'ai un statut ne pas déranger qui peut être un petit peu différent de votre statut absent. Effectivement, vous êtes en réunion, vous êtes à un moment où voilà, vous ne pouvez pas récupérer vos appels, mais vous n'êtes pas forcément absent de l'entreprise. Ça va être plutôt ce statut ne pas déranger. Et là, même chose, tout est absolument personnalisable. Donc, des transferts des appels internes, différencier des transferts des appels externes parce que vous pouvez avoir envie que le comportement soit différent. Parfait. Je vais En général, ce qui est utilisé là, dans les entreprises, c'est que le statut ne pas déranger, on va envoyer ça directement vers une messagerie vocale, comme tu l'as fait. C'est ça, ouais. Et le statut absent, on va renvoyer vers une autre personne qui serait pris là pour prendre les appels. Je vais retrouver aussi des statuts qui sont personnalisables en termes d'intitulé. Donc moi, j'ai mis déjeuner en vacances parce que c'est plutôt ce qui pourrait m'arriver. Mais effectivement, vous pouvez tout à fait choisir. Vous pouvez être en voyage d'affaires, vous pouvez être dans plein de statuts différents. Donc, j'ai un premier statut personnalisable qui va se comporter comme un statut disponible, où je vais avoir la possibilité de faire sonner mon téléphone et de repersonnaliser de la même manière que lorsque je suis disponible. Et j'ai un statut personnalisable qui, lui, va se comporter comme un statut absent et qui, là, bah, pareil, en fait, je vais pouvoir changer l'intitulé et enclencher une autre action. Donc, moi, j'ai choisi la même. Hein. Si je suis absente ou en vacances, bah, c'est Sébastien qui récupère les appels. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment... C'est vraiment personnalisable à votre guise, c'est vraiment vous qui choisissez. Donc, c'est assez important et c'est comme en fait si vous étiez sur votre téléphone fixe, le comportement est vraiment transposable à un système de téléphonie classique. On va retrouver toujours dans cette petite interface sur la gauche un onglet qui va s'appeler Switchboard. Donc là, ça va vraiment concerner les appels qui sont liés à un standard téléphonique. Donc nous, on a créé un standard téléphonique pour notre seconde agence de Lyon pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et ici, en fait, je vais retrouver moi, sur la droite, toutes les personnes qui sont susceptibles de répondre au standard. Donc vous voyez qu'il y a une différence, par exemple, entre Franck, Gwenaël et moi. C'est cette petite lettre, ce petit Q là, en fait, qui est devenu bleu. Si je le déconnecte, plus personne ici ne sera susceptible de récupérer les appels au standard. En revanche, si je connecte ces trois personnes, et ben nous allons être trois à pouvoir prendre les appels au standard. Donc ça, vous avez vu, ça se fait en un clic, hein, c'est très rapide, mais je peux tout paramétrer pour que si je m'absente quelque temps du standard, ben, ce soit mes collaborateurs qui puissent prendre la ligne. Et le fait de passer de. Ouais, on va faire un test. Le fait de passer d'un statut disponible à absent vous déconnectera automatiquement tout de file d'attente. Donc en général, ça permet aussi de se dire quand je me mets en absent, automatiquement, je m'enlève des files d'attente. Allez, j'appelle le standard. Vas-y, je t'en prie. Merci. Donc voilà, je le vois apparaître ici.
Je vais décrocher, hop, on va remettre le statut muet pour que j'ai pas d'écho. Et en fait, bah, vous voyez bien ici que même si j'ai décroché, j'ai toujours l'interface. Donc je vois. Si on est plusieurs au standard, je vois tous les appels qui sont en cours et les différents interlocuteurs qui sont déjà au téléphone. Donc ça, c'est assez intéressant quand on est au standard et qu'on est plusieurs personnes à prendre les appels. Je vais raccrocher. Merci Sébastien. Rien. Je vais vous montrer enfin la fonctionnalité d'historique d'appel, puisqu'on a, comme un système de téléphonie classique, besoin de savoir ce qui s'est passé. Donc ici, et bah, très rapidement, en un clic, en un clin d'œil, je vais avoir tous les appels qui ont été effectués sur mon système de téléphonie, tous les appels entrants, tous les appels sortants et éventuellement ceux que j'aurais manqués. Donc ça, bah, pareil. Comme un système de téléphonie classique, et éventuellement bah, les appels qui seraient dans la file d'attente et que l'on n'aurait pas pris, qui n'auraient pas été pris en ligne parce que l'interlocuteur aurait raccroché ou autre, qui me permettrait du coup de les rappeler comme si on avait mis une file d'attente sur votre téléphone fixe. Exactement pareil. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on vous montre ici, et c'est très important, est accessible depuis votre bureau. Depuis n'importe quel endroit où vous êtes à distance et y compris depuis l'étranger. Et tout l'intérêt en fait de ce système de téléphonie, surtout quand vous êtes de l'étranger, c'est que du coup, dès lors que vous êtes connecté en Wi-Fi, alors bien évidemment pas sur la data de votre mobile pour ne pas vous générer du hors-forfait, mais bien en Wi-Fi, bah, ça va vous permettre en fait de passer des appels directement comme si vous étiez du bureau sur votre ligne directe en 04. Et ça va se comporter comme un système de téléphonie avec des lignes françaises. Donc aucun hors-forfait pour vous, aucun comportement. Qui pourrait vous générer de la surfacturation. C'est vraiment comme si vous étiez sur un système de téléphonie en France. Donc c'est ce qui est tout l'intérêt aussi de cette solution en termes de tarification dès lors que vous êtes à l'étranger, que vous êtes en déplacement. Tout à fait. On a des clients qui l'utilisent comme ça en se disant, ben voilà, là je suis en déplacement aux États-Unis, je n'ai pas de forfait international ou quoi que ce soit, ben, ce n'est pas grave. Tout à fait. Si j'ai l'appli 3CX sur mon smartphone et que j'ai du Wi-Fi à l'hôtel, ben, je peux lancer des appels et ce sera gratuit. Et ça apparaît avec la ligne fixe. Donc, ça peut être aussi une utilisation. Donc, on a parlé de télétravail, mais ça aussi, ça peut être un champ d'application de ce système de téléphonie. Donc, on est vraiment sur un système de téléphonie moderne. En fait, c'est de la VoIP. Donc, bon, ça fait un petit moment que vous avez peut-être entendu parler de la VoIP. 3CX, c'est un produit VoIP. Donc, c'est de la téléphonie qui passe par Internet. Et du coup, ça permet toutes ces possibilités-là. Sachant qu'en plus, la téléphonie traditionnelle analogique est arrêtée, enfin s'arrête, vous ne pouvez plus prendre de lien téléphonique analogique tout à fait depuis décembre de l'année dernière. Donc effectivement c'est quelque chose qui a vraiment le vent en poupe, ça, la téléphonie sur IP. Et donc effectivement 3CX c'est vraiment une solution et puis le très, système très est ultra complet, donc vraiment vous allez retrouver tout ce que vous aviez sur un environnement classique. Merci Karen, merci pour cette présentation. Je vous propose de passer au deuxième sujet de notre présentation. Donc, est-ce que tu peux arrêter? Je te laisse reprendre la main. Oui, tout à fait. Ouais. Hop, je vais partager mon écran. Une seconde, qui était donc la partie partage de fichiers. Hop. Donc Sébastien va reprendre la main effectivement pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne Dropbox et les différentes fonctionnalités de Dropbox qui vont vous permettre de travailler en collaboration sur des fichiers comme si vous étiez sur un serveur de fichiers avec la fluidité en plus. C'est ça, tout à fait. Donc oui, effectivement, une des demandes numéro un qu'on a eues de la part de nos clients juste après l'annonce de la période de confinement, c'était montez-nous des liens VPN, on veut pouvoir accéder à nos données à distance. Donc ça a été une des très grosses demandes. Et effectivement, le VPN, donc je rappelle ce que c'est un VPN, c'est de monter un lien sécurisé chiffré entre votre PC et votre entreprise pour ensuite pouvoir accéder aux données, que ce soit les fichiers, les applications, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est l'avantage de ça, c'est que c'est assez facile à mettre en œuvre. Le principal inconvénient du VPN, ça va être la lenteur d'accès. Elle est liée à deux choses. Un, elle est liée à votre connexion Internet que vous avez chez vous. Si vous n'avez pas une bonne connexion Internet, même si dans votre entreprise, vous avez un lien avec la fibre, ça va aller au point le plus faible, donc votre ligne Internet, et donc ça va être lent. De deux, chaque fois que vous allez ouvrir un fichier en VPN, donc vous accédez à vos fichiers via un lecteur réseau, chaque fois que vous allez ouvrir un fichier, l'intégralité du fichier est envoyée sur votre poste avant d'être ouvert.
Donc, si c'est un fichier Excel, ce n'est pas très long. Mais si je prends l'exemple, là, j'ai pris des fichiers. Voilà, j'ai un fichier. Je vais mettre en mode détail. J'ai un fichier qui fait 1 giga 3, là, un fichier de présentation. Bon, ben, chaque fois que je vais l'ouvrir, ça va devoir envoyer 1,3 giga avant de pouvoir l'ouvrir. Donc, autant vous dire qu'en VPN, si j'ouvre ce fichier-là, j'aurai le temps d'attendre avant de pouvoir commencer à y travailler. Donc ça, c'est le principal écueil du VPN. Le deuxième écueil, ça va être bah, si j'ai pas Internet, parce que pour une raison X ou Y, j'ai un problème de connexion Internet chez moi ou ce genre de choses-là, bah, le VPN ne fonctionne pas, je n'ai pas accès aux données de l'entreprise. Il faut que j'attende d'avoir de nouveau accès à Internet ou d'utiliser une connexion 4G, enfin d'essayer de me débrouiller. Mais en attendant, ah bah, je ne peux plus utiliser mes fichiers. Donc c'est là où Dropbox va rentrer en lice parce que on va pouvoir avoir un système qui permet d'éviter ces deux problèmes-là. Le premier, donc je rappelle le fonctionnement général de Dropbox pour ceux qui ne connaissent pas, même si on a déjà fait plusieurs présentations là-dessus, je vais juste revenir rapidement. Le principe de Dropbox, c'est que vos fichiers sont stockés dans le cloud et sont synchronisés sur votre PC. Donc ça a deux avantages. Quand vous ouvrez un fichier, il est synchronisé sur votre PC, donc l'ouverture, elle est instantanée. Le fichier est sur votre PC là. Il ne transite pas sur Internet. Donc là, par exemple, si je clique sur mon très gros fichier, là, j'ai montré tout à l'heure, qui fait 1 giga, si j'ouvre ce fichier PowerPoint, bah, en fait, ça s'ouvre et c'est instantané. Voilà. Parce que bah, le fichier, il est directement sur mon PC. Donc, je n'ai pas de délai de latence ou quoi que ce soit. Le fichier est directement sur mon PC. Et l'autre avantage, c'est que ce fichier-là, on peut le voir avec la coche verte ici, il est synchronisé. C'est-à-dire que si j'ai plus Internet, je ne vais pas vous faire la démonstration maintenant, sinon vous ne me verriez plus. Mais si je n'ai plus accès à Internet, j'ai quand même la possibilité d'ouvrir ce fichier-là. Et j'ai quand même la possibilité de pouvoir le modifier, sachant que du moment où j'aurai de nouveau Internet, du moment où Internet revient sur mon poste, les modifications vont être synchronisées directement sur Dropbox. Donc Et c'est puis vraiment pour un nous, système hein, synchro. Seb, tu me confirmeras, mais c'est vrai que pour nous qui sommes souvent en réunion chez les clients ou qui nous baladons pas mal, voilà, parce qu'on est beaucoup en lien avec les clients, le fait d'avoir cette possibilité de ne pas être interrompu dans une réunion parce que vous n'avez plus Internet, ou le fait bah, voilà, de pouvoir synchroniser les fichiers dont vous avez besoin sur votre ordinateur seulement, bah, ça a quand même tout son intérêt et c'est vraiment très fluide. On n'est pas pris au dépourvu, on n'a pas de Tout à soucis fait. particuliers parce qu'on a des connexions qui fonctionnent mal. Donc ça, c'est vraiment un véritable atout majeur si demain, et ça nous a permis aussi à nous bah, de continuer à pouvoir faire toutes nos réunions pendant qu'on était en confinement, sans qu'on soit bah, avec aucune difficulté Ça. finalement. Là, du moment où le répertoire est synchronisé, en fait, qu'il y ait Internet ou pas, moi, je ne vais même pas m'en apercevoir. Hein, C'est ça. c'est pas très grave. Donc ça, c'est un des gros avantages de ce système de synchronisation. Là où Dropbox, donc Dropbox, vous le connaissez peut-être déjà, c'était un outil qui était connu du grand public avant que la version business qui sorte. La version d'entreprise permet de rajouter tout ce qui est couche de sécurité et de gestion que voudrait avoir une entreprise. La première chose que ça va rajouter, donc cette offre-là, c'est le fait d'avoir des dossiers d'entreprise, des dossiers d'équipe, on appelle ça. Donc c'est les dossiers que vous voyez là. Je vais agrandir mon affichage pour que vous les voyez. Voilà. Avec des petits bâtiments là. Ces dossiers-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des dossiers qui ne sont pas gérés par moi, mais gérés par l'administrateur d'Axon Group. Donc chez nous, c'est Franck. Et donc ces dossiers-là, en fait, ont des droits d'accès qui sont gérés par l'administrateur. Ce n'est pas moi qui décide si j'ai accès ou pas à ces dossiers-là. C'est l'administrateur. Et en fait, donc ça va être la même chose que ce que vous avez. En général, c'est des lecteurs réseau. Donc vous avez le lecteur Z, c'est pour accéder à la Tout à fait, oui. compta, lecteur Y pour C. Là, c'est l'équivalent des lecteurs réseau, mais à part que c'est des dossiers qui sont directement accessibles. Et en fait, les dossiers auxquels j'ai accès bah, apparaissent sur mon PC. Ceux auxquels je n'ai pas d'accès, ben, c'est simple, ils n'apparaissent pas sur mon PC. Comme ça, au moins, il n'y a pas de possibilité de faire des erreurs ou pas. Et donc, ces dossiers-là sont gérés par l'administrateur. Donc, l'administrateur a le droit de donner des droits d'accès à ces fichiers-là, à dire à telle personne a le droit d'accès en écriture ou en lecture seule. Donc, les mêmes fonctionnalités qu'un serveur de fichiers classique. On va les retrouver ici. Et l'autre fonctionnalité qui permet que tout ça fonctionne, parce que la première chose qu'on peut penser en se disant, pensez bien, je peux synchroniser tous les fichiers de l'entreprise sur mon PC. Mais moi, mon entreprise, elle a 4 téra de données, de plans, de bureaux d'études, ce genre de choses-là. Mon PC, ce n'est pas un serveur.
je ne vais pas pouvoir stocker 4 Tera de données sur mon PC. C'est bien la synchro, mais bon, mon PC, il n'a pas un disque dur d'un serveur. Il n'a pas la possibilité de stocker. Et limité. Et limité, forcément. Donc ça, la version de Dropbox Enterprise va permettre aussi de répondre à ça, parce qu'en fait, on a une fonctionnalité qui s'appelle Smart Sync, qui permet de choisir ce que l'on va vouloir synchroniser ou pas sur son PC, tout en gardant la possibilité d'accéder à tout. Donc ça, c'est représenté par quoi ? Pareil, je vais repasser en affichage grand. Ici, vous avez un dossier qui s'appelle RGPD, par exemple. Et vous avez un dossier COVID. Le dossier RGPD, on peut voir qu'il a une coche verte, donc ça veut dire qu'il y a des dossiers qui sont synchronisés sur mon PC. Par contre, le dossier COVID, il n'est pas synchronisé sur mon PC, c'est-à-dire qu'il est accessible uniquement quand je suis en ligne. L'avantage de ça, c'est que si je vais dans Propriétés ici, le répertoire sur mon disque dur ne prend que 4 kilooctets, donc pratiquement rien. Alors qu'en réel, il en fait 36,1 mégas. Okay. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire, notamment si je vais dans un répertoire, on va aller tiens, au service delivery. Ici, on peut voir que j'ai une présentation client avec le petit symbole, avec le petit nuage. Donc cette présentation, avant de l'ouvrir, je vais faire pareil, le même système propriété. Sa taille, elle fait 1,6 mégas, mais sur mon disque, elle en prend 0. Si je double-clique dessus, Dropbox automatiquement va synchroniser le fichier avec mon PC. Et l'ouvrir. Okay. Donc là, automatiquement, ce fichier-là a été ouvert et synchronisé. Si je le ferme, on peut voir que maintenant, il est synchronisé avec mon PC et que sa taille prend 1,6 mégas. Okay. Donc là, j'ai vraiment le fichier sur mon disque. Donc là, si je perds ma connexion, je peux continuer à travailler. Et ça, Dropbox va le faire à la volée. En fonction des fichiers que vous ouvrez, il va synchroniser automatiquement les fichiers. Et donc, en fait, au final, sur votre PC, vous allez vous retrouver uniquement avec les dossiers dont vous vous servez synchronisés. Et ceux dont vous ne vous servez pas, vous pouvez toujours y accéder en étant en ligne. Donc, ça permet quand même de continuer à pouvoir accéder à l'intégralité des dossiers d'entreprise. Donc, nous, par exemple, comment on s'en sert chez Axon ? Typiquement, on a un répertoire client où on va avoir tous nos clients. Ben, moi, Sébastien, je vais synchroniser que les clients avec lesquels je travaille le plus souvent. Voilà. C'est ça, si, c'est vraiment l'avantage, en fait. C'est ça permet d'être modulable. Ou alors, si j'ai un rendez-vous particulier, là, je vais dire, tiens, je vais faire un rendez-vous chez un client. Il me faut absolument que j'ai ce répertoire-là. Ben, j'ai juste à faire un clic droit ici, cliquer Smart Sync local, et l'intégralité du répertoire va se retrouver synchronisée sur mon PC, et j'ai accès à, je vais y avoir accès tout le temps. Donc avec ces deux fonctionnalités-là, effectivement, on permet de retrouver, vous voyez, là, je ne suis pas dans les locaux d'Axon Group, mais j'ai accès à tous les fichiers d'Axon Group, et avec la même fluidité que si je me retrouvais dans l'enceinte d'Axon Group. Dernier point qui est très intéressant aussi, la possibilité de faire de la synchro incrémentale. Donc le fait de se dire j'ai un fichier qui fait 1,3 giga ici, si je le modifie, Dropbox ne va pas resynchroniser l'intégralité du fichier, il va ne synchroniser que ce qui a été modifié. Donc même si j'ai une petite ligne internet chez moi, ça va bien fonctionner. Effectivement, la première fois, si je ne l'avais pas synchronisé, le fichier va mettre longtemps à arriver sur mon poste. Mais ensuite, les fois suivantes, si je fais des modifs dessus, ça ira beaucoup plus vite parce qu'il n'y aura que les données modifiées qui seront envoyées sur Dropbox. Donc voilà pour le fonctionnement général de Dropbox. Donc, c'était sûrement des choses que vous connaissiez déjà, si vous avez déjà participé à des présentations Dropbox chez nous. Je voulais en profiter de ce webinaire aussi pour montrer les nouvelles fonctionnalités qui sont sorties et qui permettent de gagner en efficacité et surtout des fonctionnalités qui étaient assez demandées par les utilisateurs. Et bien collaborer ensemble surtout. Tout à fait. Donc ça, c'est l'interface de l'explorateur Windows que vous connaissez tous. Donc pour retrouver ces fichiers, on n'est pas perdu, c'est comme avant, je vais dans l'explorateur et je navigue dans mes fichiers. Dropbox a aussi sorti une interface à eux, qui est l'interface client de Dropbox, qui permet d'avoir accès à ces fichiers et d'avoir accès à plus d'infos sur ces fichiers-là, sans forcément passer par l'interface web. Avant, certaines infos étaient disponibles uniquement en allant sur le site web de Dropbox, donc ce n'était pas forcément très pratique. Là, le fait d'utiliser le client, ça va nous permettre de retrouver ces infos sans avoir à lancer le navigateur web. Donc les premières infos que je vais pouvoir retrouver, par exemple, c'est que si j'ouvre un fichier, donc je vais aller dans mon petit répertoire, on va aller prendre le service delivery, je vais retrouver mon fichier de tout à l'heure de présentation. Si je vais sur mon fichier ici, je vais déjà pouvoir voir qui a accès à ce fichier-là en un seul coup d'œil. Donc ici, je peux voir les différentes personnes qui ont accès en partage à ce fichier-là. Je vais pouvoir faire un commentaire sur le fichier directement ici. Avant, ça n'était possible qu'au travers de l'interface web. Maintenant, je peux le faire directement ici. Et ensuite, je vais pouvoir avoir l'activité sur le fichier.
Donc là, par exemple, je veux voir que moi, j'ai consulté ce fichier-là à telle date, qu'il y a Laurent qui l'a consulté, Anne-Catherine aussi. Donc je vais pouvoir voir tout l'historique de l'activité sur ce fichier-là, directement en un seul coup d'œil. Et puis, vous allez recevoir aussi des notifications des activités sur ces fichiers. Donc, ce qui est Exactement. intéressant, c'est que même dans votre travail au quotidien, même si vous n'êtes pas forcément sur l'interface Dropbox, vous allez voir apparaître des notifications en bas de votre écran qui Tout à vont vous fait. permettre de suivre aussi l'activité sur les fichiers sur lesquels vous travaillez. Donc ça a vraiment un intérêt. C'est que du coup, si vous avez demandé des choses à des gens ou si vous voulez savoir un petit peu comment ça évolue, vous allez le savoir directement depuis votre interface sur le côté, ce que Sébastien est en train de vous présenter. Vous allez avoir toutes les notifications, absolument tout ce qui s'est passé. Ouais. Donc on a les notifications, ouais. On peut le désactiver si vous avez, si vous n'avez pas envie d'y avoir toute la journée, mais en tout Ouais. cas, ça a un véritable intérêt pour le suivi. C'est ça. Là, on a effectivement des notifications sur tous les fichiers sur lesquels j'ai travaillé où il y a eu des actions. Si quelqu'un a modifié un fichier sur lequel j'ai travaillé, ça va me notifier ou en tout cas, je peux le voir. Alors oui, je rassure ceux qui veulent aucune notification, c'est aussi possible de tout désactiver si vous ne mettez pas les notifications. Si vous On peut voulez tout pas désactiver. savoir, c'est possible. Voilà. Autre chose qu'on va retrouver, c'est la possibilité de partager facilement des fichiers. Donc ça, c'est un des bases de Dropbox, de dire tout ce qui est sur Dropbox, ben, je vais pouvoir le partager facilement. Donc je vais retrouver cette interface-là de partage en invitant des personnes par mail, en copiant le lien et aussi en ayant des différentes applications tierces. Donc qui sont Slack, Trello, Zoom, sur lesquels je pourrais partager directement ce fichier-là. On va pouvoir l'envoyer pour signature. Donc il faut savoir que Dropbox propose depuis peu une solution de Option, signature oui. électronique qui s'appelle HelloSign, dont on vous reparlera sûrement, et qui permet donc d'envoyer un document pour signature facilement sans passer par des interfaces complexes. Là, j'aurais simplement à cliquer là pour envoyer le document en signature. Et ensuite, ça s'intègre aussi avec Gmail. Donc, si vous n'êtes pas sur Office 365, vous pouvez aussi intégrer directement ça avec Gmail. Donc ça permet effectivement, cette interface-là permet toutes ces actions sans passer par l'interface web. Donc effectivement, on gagne quand même en fluidité de travail. L'autre possibilité que va apporter cette interface-là, c'est de pouvoir rajouter une surcouche de présentation sur vos répertoires. Je m'explique. Si je vais sur le répertoire référence transverse ici, on peut voir en haut que j'ai une partie qui m'explique, qui me dit que je peux ajouter une description. Donc en fait, sur ce répertoire-là, je vais pouvoir ajouter une description qui indique à quoi sert ce répertoire-là. Donc là, si je vais sur hop, référence transverse ici, on me propose même des exemples. L'exemple, ce serait de dire, voilà, dans ce répertoire-là, je vais expliquer à quoi sert ce répertoire-là. Donc je vais pouvoir mettre une description en disant, voilà, ce répertoire sert à ça. L'équipe qui est en charge de ce répertoire, c'est telle personne, en mettant des noms et en mettant des indications. Ce qui permet que quand quelqu'un arrive ou ne connaît pas forcément l'arborescence d'Axon, rien que le fait d'aller cliquer sur ce répertoire-là et d'avoir une indication, disons, ce répertoire, par exemple, contient les procédures internes. Okay. Et mettre le responsable de ce répertoire et deux points. Et là, je vais pouvoir mentionner quelqu'un, donc par exemple Sylvain. Hop. Ben, automatiquement, les personnes qui iront sur ce répertoire pourront voir. Donc là, je peux faire une petite mise en forme si je veux que c'est une représentation sympa. Okay. Toutes les personnes allant sur ce répertoire verront à quoi sert le répertoire, qui est le responsable de ce répertoire et tout ça. Donc on peut imaginer par exemple, si vous avez un répertoire qui contient les différents projets de vos clients, ben, pour chaque projet, vous allez pouvoir dire à la racine qui est le responsable de ce projet-là. Donc ça permet à quelqu'un facilement de voir à qui appartient ce répertoire, qu'est-ce qu'on y fait, comment il est organisé, ce genre de choses-là. Donc ça rajoute une surcouche qui permet de documenter un petit peu son arborescence. Voilà. Et enfin, dernier point que je voulais vous montrer là-dessus, c'est la partie contact. Donc ici, on peut voir que je vois des contacts directement associés à Dropbox. C'est les contacts avec qui je travaille régulièrement. En cliquant dessus, je vais pouvoir voir les différents contenus, donc notamment papers qui sont partagés. Je vais en parler tout à l'heure de papers. Mais voilà, si je clique sur Gwenaël, je peux voir tous les documents que je partage avec Gwenaël et les dernières actions de Gwenaël sur les documents auxquels j'ai accès. Hein. D'accord? On est bien d'accord que les actions que je vois, c'est uniquement sur les dossiers et les répertoires sur lesquels j'ai un accès commun avec Gwenaël. Mais vous n'aurez pas de visibilité sur les fichiers pour lesquels vous n'avez pas soit eu de partage, soit eu de droit donné. Ça, c'est une évidence. Si Gwenaëlle a accès à un dossier auquel je n'ai pas accès, je ne verrai absolument pas ce qu'elle est en train de faire sur ce dossier-là. Donc ça permet de retrouver facilement des documents
ou des sur lesquels on a travaillé. Donc là, par exemple, avec Gwenaëlle, on a travaillé sur le webinar. Ben, on a un petit document ici, si je veux le retrouver facilement. J'ai juste à ouvrir ça, aller sur Gwenaëlle et pouvoir retrouver ce document pour y accéder. Donc cette interface-là, elle est très bien, elle se complète de plus en plus. Donc Dropbox travaille à rajouter de fonctionnalités de jour en jour. Mais oui, ça permet facilement de se passer de l'interface web pour la plupart des actions qu'on va vouloir réaliser sur Dropbox. Autre fonctionnalité que je voulais vous montrer, qui avait été très demandée, c'était la possibilité de pouvoir verrouiller l'accès à un fichier. Ce qui peut se passer avec Dropbox, un cas typique, ça va être, donc si j'ai un fichier, par exemple si j'ouvre un fichier Word ici, qui est partagé, il est ouvert, j'avais la possibilité, donc ça fait très longtemps qu'elle existe, de voir qui est en train de travailler sur ce fichier-là. Okay. Donc si quelqu'un de l'entreprise est en train d'ouvrir ce fichier-là en même temps que moi, ça va apparaître ici. D'accord. Donc j'aurais par exemple Karen est en train de modifier le document et tout ça. Par contre, ça n'empêchait pas plusieurs personnes de modifier le document en même temps. Donc imaginons, j'ouvre ce document moi de mon côté, Karen l'ouvre aussi et on sauvegarde en même temps les modifications, ça peut arriver. Il y avait ce qu'on appelle un conflit de synchronisation. Et dans ce cas-là, ce que fait Dropbox, Dropbox va créer une copie du fichier en disant, ben, il y a la version de Karen et il y a la version de Sébastien. D'accord. En gros, le premier qui a enregistré va avoir la version principale, donc lui, il aura découvert de téléphonie. Et si Karen enregistre juste après, il y aurait une deuxième version qui apparaîtrait en mettant version modifiée par Karen. Donc ça, donc ça peut bien vite devenir compliqué, hein, du coup. Voilà. Bon, ça reste quand même la probabilité pour que ça se produise, ça reste assez faible, mais ça arrive quand même, surtout si vous avez des fichiers en général Excel, Word, qui sont utilisés par plusieurs personnes. Donc ça peut arriver. Donc la fonctionnalité de Dropbox qui va permettre d'éviter ça maintenant. Donc on avait déjà une première fonctionnalité qui permettait d'avoir une petite, un petit badge là et qui nous indiquait. Oui, attention, Karen est sur le fichier en même temps que moi et tout. Je vais me connecter si tu veux le faire voir. Ouais. Après, alors là, je sais que comme j'ai beaucoup de trucs ouverts sur mon PC, ça met du temps à apparaître. Donc ça peut mettre un petit peu de temps. Ouais. Mais l'autre fonctionnalité qui est sortie et qui était très demandée, c'est de dire non, mais je veux verrouiller le fichier. Je ne veux pas que les autres personnes modifient le fichier tant que je ne l'ai pas déverrouillé. C'est possible maintenant sur Dropbox. Donc pour ça, en fait, je vais remettre en grande icône. J'ai juste à cliquer sur un fichier et j'ai un menu qui apparaît qui s'appelle verrouiller. Donc si je clique sur verrouiller ici, Dropbox va m'expliquer que si je verrouille le fichier, je vais empêcher la modification de toutes les autres personnes. Je serai le seul à pouvoir le modifier. Les autres pourront continuer à le consulter, mais ne pourront plus le modifier. Okay. Donc en faisant ça, Dropbox va verrouiller le fichier. Et maintenant, si Karen essaye d'ouvrir le fichier, elle va avoir un petit message lui disant attention, ce fichier est verrouillé. Vous pouvez le consulter, mais vous ne pouvez pas enregistrer de modification. Tout à fait, je vous confirme, je le vois bien à l'écran. Et donc ensuite, si je veux le déverrouiller, bah, le même principe, je vais pouvoir le déverrouiller pour le relâcher et le laisser les personnes de nouveau continuer à pouvoir le modifier. Okay. Si jamais, pour une raison ou une autre, j'ai oublié de le déverrouiller, les autres personnes, quand elles vont ouvrir le fichier, ça va leur dire si vous voulez rappeler à la personne de le déverrouiller, elle clique sur un bouton, ça vous envoie un mail en disant « Ah, la personne souhaite que vous déverrouillez le fichier si jamais vous avez oublié de le faire ». Donc ça permet vraiment de dire, voilà, sur des fichiers que vous travaillez régulièrement, des fichiers Excel et tout, et vous voulez pouvoir le bloquer en lecture seule, c'est possible maintenant avec cette nouvelle fonctionnalité qui était très demandée, donc qui est maintenant disponible. Dernier point que je voulais vous montrer sur Dropbox, c'était un petit rappel de Paper, donc qui était quelque chose qui était très utilisé pendant le confinement. Donc c'est toujours proposé avec toutes les offres de Dropbox. Qu'est-ce que c'est Paper, pour rappeler le principe de Paper? Donc Dropbox, on synchronise des fichiers. Donc vous avez vos PowerPoint, vous avez vos présentations, vous avez tout ça que vous rassemblez dans Dropbox. Sauf qu'avant de générer des fichiers, on a très souvent besoin de faire des réunions ou de lancer des projets avec un fil conducteur. L'exemple, ce serait par exemple ce webinaire-là. Avant de créer les présentations, de dire les scripts de ce qu'on allait faire et tout ça, on s'est réunis avec Karen et Gwenaëlle pour dire bon bah alors c'est quoi le sujet? À quelle date on le fait, qui est-ce qu'on invite, comment, quel produit on va montrer, ce genre de choses-là. Donc ça, la solution serait de dire, ben, on crée un fichier Word et on le modifie à chaque fois, sauf que les fichiers Word, ce n'est pas forcément quelque chose de très fluide quand on est plusieurs à travailler dessus. L'idée de Paper, c'est de pouvoir rassembler ces idées-là, donc de créer des documents qui vont être des pages web interactives et de pouvoir facilement s'échanger des idées, des réflexions sur un sujet. Donc là, pour montrer, par exemple, si je vais créer
un fichier paper à partir d'un modèle. Comme ça, il sera déjà rempli. Hein. Je pourrais en créer un vide, mais là, je vais le faire à partir d'un modèle. Donc, si je crée mon paper ici, hop, comme c'est un modèle, il m'a déjà pré-rempli tout ça, mais je peux facilement supprimer les parties qui ne m'intéressent pas. Et ensuite, je vais pouvoir commencer. Donc là, par exemple, le plan du projet, ça va être mon webinar de la rentrée. Okay. Hop, je vais supprimer ça. Qu'avez-vous en tête? Donc là, déjà, ça décrit un projet de webinar pour la rentrée. La rentrée. Le statut de l'avancement, on en est au début, je vais me mettre au début. Et c'est là où ça va commencer à être intéressant. Je vais pouvoir dire ici qui a accès à mon paper. Donc là, je vais dire équipe du projet. Et là, je vais pouvoir nommer quelqu'un. Donc là, par exemple, je vais dire qu'il y a Karen qui sera dans ce projet-là. Je vais mettre Gwenaëlle aussi qui sera dans ce projet-là. Automatiquement, en faisant ça, vous pouvez voir, ça invite les personnes sur le document. Et donc, automatiquement, les 20 personnes vont pouvoir accéder au document. Donc là, j'ai Karen qui va venir me rejoindre sur ce document, vu que je l'ai invité. Oui. Et on va pouvoir commencer à modifier le document ensemble et à parler là-dessus. Et ça va être aussi... Hop, j'ai fait une petite erreur. Hop, je vais supprimer le planning parce que je me dis on n'a pas besoin de planning là-dessus. Mais une fois que Karen est venue dessus, on va pouvoir définir des tâches. Donc par exemple, il va falloir inviter les participants. Il va falloir préparer des slides. Préparer les slides. Alors là, je me suis connecté en parallèle. Du coup, vous allez voir, vous allez avoir la possibilité de voir que je peux maintenant modifier en même temps et en simultané en fait avec Sébastien. C'est ça. Sans qu'il y ait de problématique d'enregistrement ou de problématique de conflit entre nous deux parce qu'on va modifier les choses ensemble. Ça va vraiment le faire simultanément et en temps réel. C'est ça. Donc là, on peut voir si Karen commence. Donc là, moi, j'ai pu voir arriver Karen, on le voit en haut, avec le petit badge, comme quoi elle est connectée dessus. Et on peut commencer à échanger là-dessus. Donc effectivement, nous, toutes nos réunions, nos ordres du jour et tout, on les fait maintenant là-dedans, parce que ça permet d'avoir un endroit commun de référence sur un sujet en particulier. Et donc cette page web interactive, elle est d'autant plus intéressante qu'on va pouvoir y rajouter des images, on va pouvoir ajouter du contenu multimédia. Un calendrier, si vous avez des tâches à planifier. Un calendrier. Ça en fait référence à nos fichiers Dropbox, on peut insérer un fichier directement de sa Dropbox. Dans ce cas-là, je vais rechercher un fichier qui serait présent dans ma Dropbox, donc par exemple ce PowerPoint-là. Hop. Et automatiquement, je vais avoir le fichier qui apparaît et qui est lié à mon fichier dans la Dropbox. Donc si je modifiais le fichier de la Dropbox, automatiquement, il sera modifié ici. Et pour tous, du coup, parce que moi qui suis de l'autre côté, du coup, je le vois vraiment en simultané. C'est-à-dire que dès lors que Sébastien a intégré le fichier, de mon côté, l'affichage a changé en temps réel. Voilà, il n'y a pas de, vraiment pas de latence en fait entre les deux. On est vraiment pile poil synchronisé. Il n'y a aucun souci de latence entre les deux, de synchronisation, de plein de choses. C'est vraiment en temps réel. Donc ça, c'est vraiment un fichier interactif qui permet de se concentrer sur, OK, on a ce projet-là. Qu'est-ce qu'il y a à faire, comment on fait, quels sont les intervenants. Donc d'avoir un petit peu de la documentation associée à un projet et qu'on ne voudrait pas forcément utiliser un fichier Word dans un répertoire pour pouvoir décrire ça. L'interface de Dropbox que je vous ai montré tout à l'heure nous permet facilement de retrouver aussi ces documents-là. Donc là, si par exemple je retourne sur les documents partagés avec Karen, je peux voir tout de suite mon petit paper qui a été réassocié là-dessus. Donc je peux y retourner assez facilement en cliquant dessus. Je peux même le placer en favori si je veux pouvoir y accéder rapidement. Et dans ce cas-là, il sera dans mes favoris et j'aurai un accès direct à ce document-là. Donc voilà pour la partie paper. Donc ça, effectivement, ça nous a été très utile pendant la période de confinement parce que ben, voilà, le fait, nous, on n'avait pas besoin de monter de VPN pour pouvoir accéder à nos données. Chacun de nos collaborateurs a pu avoir son PC chez lui et travailler sans monter aucun VPN parce que tout est synchronisé là-dessus. Et à savoir qu'on reste quand même sur quelque chose de très sécurisé parce que Dropbox, par exemple chez nous, la connexion à Dropbox n'est autorisée qu'avec un double moyen d'authentification. Donc vous avez un mot de passe, mais aussi on demande à ce qu'un code qui est reçu sur votre téléphone. Donc, voilà. Si quelqu'un essaye de se connecter sur un PC qui n'est pas connu par Dropbox, automatiquement il va vous demander de vous réauthentifier avec ce code par SMS. Donc ça permet d'avoir quand même quelque chose de très sécurisé, tout en gardant une interface fluide de travail.
voilà pour la partie Dropbox. Et je vous propose de terminer en vous parlant de Teams rapidement. Un petit bout de Teams. Allez, un petit bout de Teams, parce qu'effectivement, on ne pouvait pas faire une présentation sur l'agilité en télétravail si on ne parle pas de Teams, parce qu'effectivement, c'est quand même quelque chose qui est très utilisé chez nous. Donc, pour vous reparler de la partie Teams, pour vous expliquer rapidement moi, comment je le compare Teams pour l'expliquer dans les entreprises quand les clients me demandent qu'est-ce que c'est Teams. Si vous connaissez WhatsApp, bah, c'est l'équivalent de WhatsApp pour les entreprises. Voilà. Dans WhatsApp, si vous connaissez l'interface WhatsApp, quand vous utilisez WhatsApp, vous pouvez l'utiliser de deux manières WhatsApp, soit pour envoyer des messages à votre famille, à votre mère, à votre grand-mère, à votre frère, à vos copains. Donc là, c'est une conversation de 1 à 1, vous parlez privé. Avec quelqu'un privé. Donc voilà, vous pouvez faire la même chose avec Teams, vous avez vos conversations, donc là on voit toutes les personnes avec qui j'ai conversé et j'ai des conversations privées avec ces personnes-là. Dans WhatsApp, on peut aussi faire des groupes WhatsApp, donc vous avez un projet de vacances, vous avez un projet de soirée le soir, vous avez un projet quoi que ce soit, vous allez faire des groupes, vous avez le même principe d'un Teams, à la place de faire des groupes, vous allez faire des équipes et à la place d'organiser des soirées, vous pourriez, mais c'est pas le sujet là. Vous allez faire des projets chez vos clients, vous allez faire des projets autour d'un événement que vous allez organiser. Vous voulez faire des équipes autour d'un client en particulier, ben vous allez créer des équipes et ajouter des personnes à ces équipes directement. Donc le fait d'avoir une équipe, de rajouter des personnes, la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est de pouvoir parler. Et au lieu de parler à une personne, on va parler à toutes celles qui sont liées à ce projet-là, à tout ce groupe-là. Donc toutes les personnes qui sont associées à ce projet-là recevront les conversations et pourront y répondre. Okay. Dans cette notion de groupe, on va aussi pouvoir partager des fichiers. Donc c'est là où on va quand même aller beaucoup plus loin que ce que pourrait faire WhatsApp. On va pouvoir partager des fichiers directement. Ces fichiers-là peuvent être stockés. Alors, par défaut, c'est OneDrive, mais on peut tout à fait utiliser Dropbox pour ça. Et nous, c'est ce qu'on fait. On utilise Dropbox pour stocker nos fichiers. Donc, on peut rajouter un répertoire Dropbox dans Teams et partager ces fichiers directement autour de ce client-là, de ce projet-là dans Teams. Et enfin, on va pouvoir rajouter des onglets, donc cette équipe. D'accord, j'ai un onglet fichier, mais moi, je veux partager un classeur Excel en particulier. Je veux rajouter une vidéo. Il y a un site web qui concerne cet événement-là que je veux partager. Je peux le faire très facilement en allant cliquer sur ces différents éléments. Et là, par exemple, si je rajoute un site web, je vais pouvoir mettre n'importe quel site web. Donc là, ce serait par exemple le site web d'Action Group. Ce qui est très fluide, c'est que vous allez vraiment retrouver tous les documents pour collaborer ensemble au même endroit, en fait. Donc ça a vraiment son intérêt. C'est que vous n'allez pas avoir de multiples outils pour aller chercher. Dropbox est complètement intégré à l'intérieur de Teams et vous le faites en complète fluidité avec vos collaborateurs et tout est concentré dans une seule et même interface. Donc ça a vraiment un gros intérêt sur la partie travail collaboratif et surtout sur le gain de temps, parce que vous allez gagner un temps fou à ne pas aller chercher dans de multiples outils. Tout est intégré là et vous pouvez chatter les uns avec les autres. C'est vraiment ultra intéressant à mon sens. Tout à fait. Et d'ailleurs, voilà, donc là, on peut voir que directement dans l'onglet, maintenant, j'ai le site web d'Action Group qui s'affiche. Donc, je pourrais afficher n'importe quel autre site web, feuille Excel et tout ça. Et enfin, dernier point, Teams, ça permet très facilement de faire des conversations. C'est vrai que tout à l'heure, je suis passé rapidement là-dessus. Je peux faire la conversation de texte, mais je peux très facilement faire un appel audio ou basculer en appel vidéo en un seul clic. Et dans ce cas-là, je fais des appels vidéo ou audio de manière très rapide, que ce soit avec une personne ou plusieurs personnes. Je peux faire la même chose quand je suis dans une équipe, c'est d'ailleurs lancer une conversation vidéo instantanément. Donc c'est vrai que ça apporte quand même une grosse fluidité avec les personnes auxquelles vous travaillez au quotidien, parce que ça vous permet très facilement de lancer une conversation, une séance, une conférence vidéo, une réunion très facilement. Voilà pour Teams. Je vais pas aller plus loin dans l'explication parce que on avait déjà beaucoup détaillé dans le précédent webinaire. L'heure est en train de passer, il est déjà 11h24 et je voudrais pas vous accaparer indéfiniment là-dessus, mais ce que je peux vous proposer c'est de vous partager le lien pour ceux qui le souhaitent, demandez-nous-le ou vous pouvez aussi le retrouver sur notre page YouTube. Mais on avait fait une conférence, je vais vous montrer rapidement. Hop.
On avait fait un webinaire à ce sujet-là qui est disponible sur la Vous page pouvez retrouver, oui, YouTube sur notre page d'Action YouTube. Group. Et donc, où on explique, voilà, ça dure à peu près 1 heure, on explique toutes les fonctionnalités de Teams. Voilà, j'avais fait ma comparaison avec WhatsApp au tout début et tout ça. Donc, on va retrouver tous ces éléments-là. Et ensuite, on détaille toutes les fonctionnalités de ce que vous pouvez faire avec Teams. Donc, n'hésitez pas à nous demander le lien là-dessus. Et de toute façon, je le mettrai dans les conversations également si vous voulez y accéder. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à une séance de questions-réponses si vous avez des questions. Si vous avez des interrogations, ouais, n'hésitez pas. Je vais juste arrêter le partage le temps que. Quoique, je vais pouvoir le faire là. Oh, super. Hop, ça, je vais mettre en plein écran. Ok, et si vous avez des questions, des réponses, ben, n'hésitez pas, on pourra y répondre. Donc, vous pouvez nous poser toutes vos questions et on y répond. Directement. Alors, pour poser des questions, vous avez normalement une petite icône en bas. Alors, vous pouvez faire soit dans le chat, soit la petite interface questions-réponses. Et on va les voir apparaître. On pourra vous y répondre. Alors, en termes de questions... Ah oui, on avait une question sur... Hop. Ah, sur 3CX. Avec 3CX, ouais. A-t-on besoin d'une ligne téléphonique? Est-ce que tu veux y répondre? Ouais, je vais répondre en direct. Alors, hop, je vais répondre en direct. Donc, effectivement, avec 3CX, a-t-on besoin toujours d'avoir une ligne de téléphonie fixe? Alors, non, vous n'avez plus besoin d'avoir de ligne de téléphonie fixe. Vous allez avoir besoin quand même d'avoir un numéro où vous êtes joignable, ce qu'on appelle un numéro en 04 ou ce genre de choses-là. Donc, pour ça... Il faut avoir un abonnement, mais ça, on vous le propose avec la solution 3CX. Donc, soit vous n'avez pas de numéro en 04 aujourd'hui, on vous en crée un, d'accord? Donc, on demande une création de numéro. Soit si vous avez déjà des numéros existants et que vous voulez les récupérer pour les utiliser sur 3CX, ben, on récupère ces numéros-là et ensuite, ça s'appelle une portabilité, et ensuite, vous pouvez être directement joignable sur ces numéros-là. Mais voilà, si on parle de ligne, qu'on fait sur les mobiles, c'est pareil. Hein, c'est ça, c'est le même principe de portabilité. Quand vous changez d'opérateur mobile, vous passez de Orange à SFR, on fait une portabilité. Là, c'est le même principe, on va porter vos numéros. Mais en termes de ligne fixe, si on parle d'une ligne fixe présente dans vos locaux, non, vous n'avez plus besoin de ligne fixe analogique. Ça disparaît au profit d'un abonnement téléphonique qu'on appelle un trunk SIP et qui va faire office de ligne. Mais ce n'est plus hébergé chez vous, c'est hébergé à l'extérieur. Ouais. Est-ce qu'on a bien répondu à la question? N'hésitez pas si je n'ai pas été assez précis. Ah, c'est super, bon. Super, merci. Donc, c'était tout bon. Autre question qu'on nous avait posée. C'était sur la partie... Attends, je ne la vois plus. Ah oui, messagerie vocale. Alors, je pose... messagerie vocale, on peut tout à fait personnaliser sa messagerie vocale sur la téléphonie, sur 3CX. Donc, si on vous appelle, vous avez un message standard qui sort, qui va être, oui, votre interlocuteur n'est pas présent. Mais si vous voulez personnaliser avec vos propres messages, c'est possible. C'est tout à fait possible. L'autre possibilité aussi qui est assez demandée souvent, si vous voulez avoir des messages d'accueil, de la musique d'attente, c'est aussi possible avec 3CX. On va vraiment retrouver toutes les fonctionnalités de la téléphonie traditionnelle. Quoi. Voilà. Tout ce que en général vous pouvez faire sur un système de téléphonie traditionnel, on pourra le faire sur 3CX. Après, alors attention, si on passe d'un système ultra propriétaire comme Alcatel et tout, il y a toujours des fonctions qu'on ne pourra pas entièrement toutes les portées, mais on va retrouver, on va dire, les bases de ce que vous faites avec la téléphonie fixe. Vous allez les retrouver sur 3CX. On est vraiment sur un système de téléphonie vraiment, vraiment poussé. Alors, ouais. Ouais, je la vois. Donc, Johan, est-ce qu'on peut, chaque personne gère sa ligne? Est-ce qu'une personne peut gérer l'ensemble des lignes? Oui, tout à fait. Là, tout à l'heure, on vous a montré l'interface qui était l'interface utilisateur, mais on a une interface administrateur, donc qui va permettre de pouvoir gérer l'ensemble des lignes là-dessus, directement, de pouvoir les gérer. Hop. Donc oui, c'est possible.
Et donc, chaque personne gère sa ligne, mais l'administrateur peut tout modifier directement. Petite subtilité, enfin, c'est sur ce qu'on m'a déjà demandé, on ne peut pas empêcher les utilisateurs de ne pas modifier leur statut. Si on veut les empêcher de pouvoir modifier ce qu'a montré Karen tout à l'heure, il ne faut pas leur donner accès à l'interface web, c'est tout. Mais pour l'instant, on n'a pas cette possibilité de les empêcher de modifier ça, si jamais c'est ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, oui, en tout cas, un administrateur peut tout contrôler. Il a accès à toutes les lignes et peut modifier tout. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Ok, bah si, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. S'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas ensuite à nous contacter par mail. Tout à fait. Ouais. Contact habituel. Donc, ça peut être sinon Karen, moi, la personne avec qui vous êtes en contact de manière habituelle. N'hésitez pas à nous faire un petit mail avec toutes vos questions. On y répondra avec plaisir. Et si vous souhaitez avoir des démos personnalisées sur certains de ces outils-là, on se fera le plaisir de vous y d'organiser répondre, cela. Ouais. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous et puis je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.